30e réveil. 30e réveil. Normalement, je devrais finir le jeu là-dessus si j'avais tenu mes engagements. Alors, journal de bord. Grotte asséchée. Ok, c'est tout ce que j'ai découvert. Vas-y, j'ai encore des trucs à découvrir. Pour voyager avec un objet quantique, je dois me tenir sur l'objet en question et cesser d'observer ce qui m'entoure. C'est-à-dire, je dois être dans l'obscurité totale. Coleus parvint à s'échapper de la grotte où il était emprisonné en appliquant cette règle quantique. Coleus et Melorae revinrent à étudier le roc, qu'ils formulèrent la théorie suivante. Lorsqu'un être conscient est en contact avec un objet quantique et cesse d'observer ce qui l'entoure, l'être est susceptible de se mêler à l'objet quantique et les deux corps se déplacent alors ensemble. C'est sûr que c'est ça, c'est ce deuxième point qui permet d'aller dans l'autre grotte là. Parce qu'un être conscient est en contact. Voyager avec un objet quantique, je dois me tenir sur l'objet en question et si cet objet observe ce qui m'entoure. Parce qu'un être est en contact. En contact, ça veut dire quoi? Est-ce que je peux mettre genre de telle façon que je touche le rocher de telle façon que en arrivant sur le truc, je vois pas la lumière et du coup. De telle façon. Parce que je vois pas la lumière sur l'arrivée et du coup mon environnement il change pas. Je sais pas comment je peux me mettre. En contact, en contact. L'être est susceptible de se mêler à l'objet quantique. C'est pas super clair pour moi comment je dois faire là. On va y retourner, on va faire des tests. Il y a un endroit pour couper la lumière, effectivement. Enfin, c'est juste qu'elle est pas allumée. Je l'avais allumée là. Continue à ce rythme, je vais pas louper grand chose. Bah là, le MJJ est là pour me coacher. C'est pas dire que ça avance. Bah attends, sur la dernière run, là, il s'est passé des choses. Hein. La lumière. Si c'est la lumière de la cité obscure. Alors attendez, voilà. Des dingueries. A plus. Merde. Attendez, je fais n'importe quoi. Pilotage. J'ai pas vu d'endroit. Enfin, la lumière est éteinte par défaut. Safe strat à la place de la team cactus. Alors, on est reparti. C'est quantique. Ok. Vas-y, j'invoque le rocher. Ok. Et là. Et attends, si je viens le toucher comme ça. Là, je le touche là. Il a disparu. Il a disparu sans moi. Il se barre sans moi. Si je suis pas sur lui, il se barre sans moi. Oh,
Bon là, ils m'ont dit, il reste des trucs à explorer ici. J'en doute, mais... Ça, c'est le truc que j'ai déjà lu. Ouais, non, je pense que le truc qu'ils disent, ah, il reste à explorer, c'est... Bon. J'ai vu un truc passer. J'ai attendu que le... Tout à l'heure, c'est ce que j'ai essayé de faire. On va voir où il est la troisième grotte. Là, je suis où? Je suis dans la grotte cactus. Toujours dans la grotte cactus. C'est possible de se barrer de la grotte cactus là? Ils veulent pas se barrer de la grotte cactus. Ok. Ça c'est... Ok. C'est la grotte pas cactus. Boum, là il est revenu. Il est reparti là-bas. Ah, on est là. Et tu vois, là c'est allumé, hein. J'ai rien fait. Le courant, normalement, il est... Attends, je voulais voir où était le truc. Je sais qu'il est à 30 mètres de la surface. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas, je vais aller... Oh, je sais plus. Ah merde. Attends, mais j'étais pas là. J'ai été téléporté. J'étais pas ici, je suis quasi sûr que j'étais pas ici. Attends, le monde est fermé. J'étais pas dans cette grotte. Je regarde la VOD. Normalement, t'as pas besoin de le toucher. Si, j'étais là. Ah bon? Parce que, genre, les cactus, ils bougent. Ils bougent même sans toucher le truc. C'est pas, j'ai pas le... Bon. Ça m'embête. Fusée 64 mètres. On va aller à la station solaire. Pas trop, j'ai pas encore compris comment aller. Je vais aller quand je serai dans mon lit à essayer de m'endormir. Je réfléchirai à cette énigme. Alors, move cactus. Ah oui, mais en fait, ça doit être possible quand il y a du sable, tout simplement. Quand il y a encore beaucoup de sable. Alors, c'est qui? Oui, quand il y a beaucoup de sable, tu marches sur le sable, c'est super facile le move cactus.
C'est sûr que c'est ça. Ouais, sauf que c'est too late. Attends, parce que si je fais ça, je vais perdre la navette. Se décaler un peu. Essayer de faire le move cactus. Là, j'ai un mur au-dessus de la tête. Non, ça va. Non! Attends, je suis pas mort? Si, je suis mort. Terrible. Putain, fais chier. J'étais trop brutal. Le pilote a merdé. Putain, le projet Sablière Noire, on aura du mal à y aller, hein. Dommage, là si j'y vais en utilisant une autre méthode, je vais pas pouvoir montrer mes talents de pilotage d'accostage sur la station solaire. Ça c'est quelque chose que j'aurais bien aimé montrer. Salut MJJ, merci d'être venu, ça fait plaisir. Si tu veux la suite, ça se passe tous les mardis. Bon, et là, un samedi exceptionnellement parce que j'avais envie d'avancer. On va jouer la safe way. Le problème c'est que là il n'y a pas encore le sable a pas commencé à se casser la gueule. Est-ce que j'ai un truc à faire par ici? Le problème c'est que si je rate le timing je vais avoir l'air con. Instant exploration. Là, y a rien. TP où ça? Oh merde, y a son bronze là. Faut pas aller sur son bronze, moi je suis pas prêt. Hein. Bon, c'est chiant. On me téléporte pas. Je vais pas rater le timing. Je vais pas rater le timing de téléportation. Le sable a commencé. Oui, le sable a commencé. Est-ce que c'est cette tour-là? Peut-être bien. Je crois que c'est elle, hein. Je suis quasi sûr. Oui, en plus, c'est forme de soleil. Forme de soleil. On va prendre la safe way. Je me suis garé un peu proche. On se remet un petit peu de carbu.
pas que je me fasse emporter par Arconte pendant le... On va rester sur le côté pour l'instant. Attendre la cascade. Oh, l'intrus. L'intrus en pleine intrusion. Putain, il fait peur. Non, il a vraiment l'air super figé. Faut pas déconner. Faut pas rater le timing pour le move cactus. Putain, il y a le sable qui arrive. Si le sable il arrive pile au moment où ça... Non, ça devrait le faire. On va laisser passer le sable. On voit la porte ou pas encore? On voit pas encore la porte. Ok, le sable est passé. Faut pas traîner là, faut pas traîner. J'ai perdu de l'oxygène. À faire là. Mais pourquoi? Pourquoi je me suis fait attaquer? Mais c'est une blague! Oh, putain, merde! C'était le sable qui se barrait. Ok. Là, c'est pas désactivé. Bon, j'ai plus de vie par contre. J'ai plus de vie et pas beaucoup d'oxygène. Espérons que ça suffise. 3 minutes. Ah mais attends, je suis con. Je vous évite d'aller voir à faire le move cactus. Je vais permettre de gagner un peu. Ok. Ok, là, la porte elle est là-bas. J'ai raté le coche. J'espère que c'est pas désactivé encore. Toc toc. Oh, la lune quantique. Elle est là. Préparez-vous à être téléporté sur la station solaire. Oh, on va rentrer en alignement. On est dedans. On est dedans. Attends. Alors. Ça, c'est juste la téléportation. Non, non, non. Il y a 281 042 ans. Aucune commande utilisateur reçue depuis 10 minutes. Mise en veille de l'ensemble des systèmes. Il y a 7 minutes et 38 secondes. Augmentation de l'activité solaire détectée. L'intégrité de la coque de la station solaire approche du seuil critique. Fermeture des issues de secours. Oh man. Danger. Cause l'ouverture de la porte de secours. Moi j'ouvre la porte de secours.
réussi à rentrer. C'était chaud. Pilotage compliqué. Mission. La science nous contraint à faire exploser l'étoile. What? Pourrions-nous changer ça? Travailler avec un ordre de mission aussi morbide sous les yeux ne me réjouit guère. En voilà une meilleure. Mission. Déterminer s'il est possible d'amener l'étoile à exploser. Tu n'as aucun sens de l'humour. Mais moi au moins, j'ai un sens de l'éthique. Je ne te saurais gré de ne pas partir en supernova avec moi avant que l'étoile ne l'ait fait. Idaïa. Il est tout à fait correct pourtant. Nous allons créer une supernova au nom du progrès scientifique. Voilà notre mission. Notre mission est de décider si cet exploit, aussi responsable soit-il, est de l'ordre du possible. Ils veulent faire exploser l'étoile. C'est eux qu'on fait exploser l'étoile. On a des pare chauds là. C'est quoi ça? Je sais pas. Ça permet de monter. Il y a des armes là. Pourquoi il n'y a pas de gravité? C'est quoi ce délire? Je suis à côté du soleil, il n'y a pas de gravité. Ok. Ah, il y a une statue Nomai là. Et tout le tour pour. Pour pas grand chose. Putain, la musique. On sent qu'on est dans un moment clutch. Statue Nomai, rien du tout. Hein. Ok, c'est là qu'il faut descendre. Mais vas-y, c'est trop flippant leur station là. De projection de la sablière noire. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Allez, vous êtes prêts à lire? On lit tout. Que s'est-il passé? La station solaire n'a pas tiré? Elle a tiré, Yaro, mais ça a échoué. L'étoile a à peine réagi. Il y a bien eu des changements infinitésimes en surface, mais ils étaient à peine visibles, même au troisième œil. La station solaire ne servira à rien. Elle ne pourra jamais faire exploser l'étoile. Je ne sais que faire maintenant, mes amis. Je suppose que nous devrions tout reprendre depuis le début, mais je ne sais pas comment nous y prendre. Commencez par rentrer tous les deux dans la sablière noire, mon ami. Peut-être qu'une nouvelle tâche nous aidera. Spire a remarqué une comète qui approche du système solaire et que nous souhaiterions voir de plus près. Pai, je souffre pour vous deux. Nous savons tous à quel point vous avez travaillé dur. Je ne peux pas vous offrir ma compassion. Comment vas-tu? Qu'en est-il d'Idea? Nous allons bien, Yaro. Nous allons bien, Yaro, du moins, autant que faire se peut compte tenu des circonstances. Même si nous sommes déçus. Je n'approuverai peut-être pas l'explosion de l'étoile, mais je n'ai jamais souhaité que notre appareil échoue. J'espérais en avoir fini avec ce funeste projet. Ok. Ça, j'ai pas lu. L'étoile entre en dernière phase de son cycle de vie. Elle approche de son état de géante rouge. Danger, évacue la station solaire. L'en restant va la destruction de l'étoile. De la station solaire par les temps d'explosion environ 1 minute 20 secondes. Temps restant avant la mort de l'étoile environ 12 minutes 50 secondes. Faut que je me dépêche. C'est quoi ça? C'est l'œil et un autre truc, je sais pas ce que c'est. C'est la station solaire. Si c'est la station solaire. Merde. Allez, j'ai plus qu'une minute là. Sablière noire. Mais oui, l'endroit des masques. Je sais pas comment y aller. C'est dans l'espace, c'est où? Je sais pas où c'est, putain. Est-ce qu'on a tout exploré ici? La station va. Je sais pas si j'ai tout exploré. Comment c'est que la gravité est si faible? Je pense que j'ai tout exploré, mais... Est-ce que je peux retourner là-bas?
Là-bas, il n'y avait rien de plus, hein. Ah bah là, voilà, on périclite. Ok. Voilà, voilà. Et ben, une run, ma foi, enrichissante. Riche en enseignements. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce soir.